Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4. Donc, encore une fois, je pense au passage à remercier donc mes partenaires, donc Gamesmith.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie vraiment du fond du cœur. Le jeu est vraiment une putain de tuerie. Hop. Alors je voulais faire un petit peu d'espace parce que je vais vous montrer, parce que je vais sentir que je suis en train d'uploader des vidéos. Et je voulais voir si j'étais en mesure d'uploader en même temps que je jouais sans que ça me prenne trop de RAM. Apparemment il n'y a pas de problème de ce côté là. Et du coup en fait en jouant je me suis rendu compte qu'il y a en fait Carla l'ordure qui est arrivée ici. Qui veut toujours pas me parler d'ailleurs, parce que je lui ai complètement volé son fric. Et donc du coup, elle avait laissé sa Braheim ici qui était bloquée entre les trucs. Donc j'avais modifié ça pendant mes petits essais. Et alors maintenant je me suis rendu compte aussi que je pourrais peut-être ajouter en défense une tourelle. Hop. Ici. Et elle fonctionne. Et du coup, je comptais aussi en rajouter une. Ici, qui fonctionne aussi. Voilà. Donc, comme ça, au niveau des tourelles, on est bon. On a ce qu'il faut. En plus, on a quelqu'un d'attribué. Donc, de ce côté-là, on ne devrait pas être trop mauvais. Donc, normalement, on fait G. Parce que moi, j'ai modifié certaines touches aussi au passage. Donc, en vivre, en défense, on est à 16, ce qui est cool. En colon, on en a 5. En vivre, on est à 9. En nous, on est à 6. Ça, ça se modifiera au fur et à mesure. On a un bonheur de 45. On a 5 lits. On a 16 de défense, 0 en énergie, donc l'énergie, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, je voulais aller faire autre chose, chers amis. Avant de continuer dans l'aventure principale, je voulais aller donc chercher l'armure. Carte. Hop, l'armure qu'on avait laissée ici, au Musée de la Liberté. J'aimerais aller la récupérer, donc vous allez voir que les chargements sont peut-être un petit peu plus longs que d'habitude. Hop, putain, lotissement total. D'accord, donc ça c'est l'histoire. Alors on peut aussi, comme dans Skyrim, regardez de plus près les différents modèles. Ou de plus loin aussi hein. Donc on peut voir que c'était les mêmes piles à fusion qui étaient utilisées. Donc oh putain, à chaque fois il me foutrait les boules celui-là. Hop. Bon. Hop, voilà. Parfait. Bon, on va essayer de se rentrer. On peut voir en bas à droite dans corps que mon énergie baisse dès que je sprint. Ce qui est une petite catastrophe, faut l'avouer. Le Red Rocket est là-bas. Donc vous pouvez voir que l'AP baisse, mais aussi regardez dans corps aussi que ça baisse. Hein. Hop. Et donc j'aimerais la ramener à Sanctuary au niveau du poste normal. Vous savez le poste qu'il y a pour la réparer. Et la faire rentrer dedans. Hop. Je gaspille un peu mon corps mais c'est pas grave. Je suis presque rentré de toute manière. Hop. Voilà mon arme habituelle. Presque épuisée, on est encore sur la réserve. On n'est pas encore sur la réserve. Pas de problème. Je devrais être arrivé sur place avant que ça n'arrive. Si vous avez un retourneur dans le temps, on passe automatiquement à la réaction. Parce que vous allez finir par s'épuiser. D'accord, ok. Donc ça c'est cool par contre. Même si c'est pas du tout RP, il faudrait normalement changer de. Normalement il faudrait en ressortir. Et je pense qu'il y aura des gens qui le modderont de manière plus RP pour qu'on ait à ressortir, à re-remplir le machin, etc., etc., etc. En tout cas, on a vraiment l'impression d'être sur la lune en fait hein, quand on le voit comme ça. C'est cool, je trouve. Alors, apparemment, je n'ai pas de backpack aussi puissant que celui que j'ai qu'on voit dans la vidéo. D'ailleurs, tiens, au passage. Mais voilà, on voit bien qu'en fait, les deux bouts de mes deux bras sont pas les deux bras originaux de l'armure. Voire même qu'ils n'ont pas forcément une armure dessus. Ils en ont pas, regardez sur l'interface, ils en ont pas en fait. Donc, j'aimerais la ranger. Hop. Je sais pas comment on fait. Canigou, pousse-toi s'il te plaît. Transfert.
Ou alors faut que je la sorte. Hop, attendez, on va essayer. Si je la sors. Alors je sors, c'est E, d'accord. Transfert et que je récupère tout. Hop. Fabriquer, voilà. Modèle A. Modèle, alors modèle A, attendez, on va voir. Modèle B. D'accord, il y a différents types. Donc modèle A, c'est pas grave. Quitter la station. Pourquoi il a pas de casque? Bah si, généralement je peux. Ah mais non, rentre pas dedans, rentre pas dedans. C'est pas ce que je voulais, putain, qu'il est con. Ok. Hop, je peux lui en mettre combien? Ok, bon bah elle est mise, elle est en place. Je m'attendais à un truc un peu plus cool au niveau des fils, des machins, des bidules, mais bon. Elle est en place, et elle me dérange pas dans mes déplacements en plus. Donc ça c'est parfait, on a réussi à le faire. Elle est bien rangée. Et donc normalement on peut pas la modifier. Si, il faut que je passe dessus, fabriquer. Voilà, là je peux la modifier comme ça. On peut faire par exemple la peinture militaire, d'accord, peinture Voltec, blindage anti-explosion, blindage titane, blindage prismatique, revêtement anti-gel pour avoir en blanc, d'accord, c'est intéressant. Hop. Capteur de reconnaissance, etc, etc, etc. Bon, peut-être. Si je veux modifier par exemple le plastron. Purificateur sanguin, ça vous sonne ? Réduit les chances de développer une dépendance aux drogues, d'accord. Ouh, ça c'est intéressant la pompe médicale. Bobine Tesla, jetpack. Génial, il y a plein de trucs à faire en fait sur cette armure. Et sur ce jeu en entier, hein, tout ce qui est au niveau des améliorations du jeu, il y a une chier de choses à faire. Hein. Soyons honnêtes. Donc là j'ai rien. Hop. Bon. Ça c'est fait, vous voyez, la voilà. Voilà, donc j'ai laissé passer ce truc. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Restez en alerte. Ne baissez pas votre garde. J'aimerais échanger des objets. Mais non, je voudrais pas échanger d'objets. Bon boulot avec ces défenses. J'ai plus besoin de vous pour l'instant. Mais je crois que Preston voudrait discuter. Ah bon? Je viens d'aller le voir. Il vous faut quelque chose? Non? Bon, bah d'accord. Ok, bon, bah on va faire un petit peu d'aventure de quête principale alors. On va au Drumline Diner. Là où on avait sauvé. Ah oui, ça c'est des pins, regardez. C'est des pins, c'est génial. Je trouve ça absolument génial. Alors, on avait sauvé des propriétaires. Alors, voilà. Salut les gens. Bon bah c'est cool de voir que vous êtes là. Canigou a trouvé quelque chose? On y va Canigou? Qu'as-tu trouvé? Je suis. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est marrant qu'il regarde en hauteur comme ça. Alors, Kenigou? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Hop, allez, cherche! Cherche! Allez, cherche! Je te suis, cherche. Non, rien du tout. Hey. Comment ça va, mon vieux? Laisse tomber, mon grand. Ouais, laisse tomber. C'est pas grave. On reste ensemble. Allez, viens. Bon.
Par là, on a une mission. Là, il y a un truc. Nigo a trouvé quelque chose. Où es-tu? Où es-tu, mon chien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je te suis. Ça sent les goules par là. Alors? Où ça? Oh là, le pauvre. Le pass-finding de ce chien est vraiment raté. Hein. Déverrouiller la porte de la caravane, maître. Ah bah non, mais c'est pas pour tout de suite. Ça sera intéressant à l'avenir, mais c'est pas pour tout de suite. Bon. On avait vu une maison là-bas, on va aller voir. Rien. Rien. Pas d'étage? Si, pourtant, je vois une espèce de coffre. Alors, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Ok. De nuit, le jeu est vraiment creepy, hein, autant vous le dire. Ah, ici, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ok, bizarre. Terminal, déverrouiller novice. Ok, pourquoi pas. Space, raté. Putz, raté. Ça y est. Voilà. Commande de la porte de sécurité. Ouvrez la porte. Ça y est. Bonjour monsieur. Je prends tout ça. Merci. Boîte d'explosifs. Ça m'intéresse pas des masses d'explosifs à vrai dire. Mais bon, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il se planque? Ok, bizarre. Bizarre. Alors par là, il y a quelque chose aussi. Alors attendez, faut que je vois sur la carte où est-ce qu'on va. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu par là. Pourtant, on a pratiquement tout fait par là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une rate biche? Y'a personne. Où elle est? Où elle est cette bestiole? What the fuck, y'a des gens là. Attendez, on est où? Conscrit des artilleurs. Oula, on va plutôt passer par là-bas. Fais chier pour cette biche. Ça va chier. Allez, ramène tes fesses. Dégage. What? Dégage. Alors. Rien d'énormément intéressant pourtant. Quand même faire le tour des fois que. Ok.
Ici on a quoi? Un atelier de chimie. Et là rien du tout. Malgré tout, cet endroit était intéressant. Par contre, c'est là que je me rends compte que niveau... Alors ça, voilà, mon sniper. Hop. Je m'en rappelle plus. Il y avait sniper en devenir, normalement. Alors. Ok, il a complètement disparu. D'accord. Ok, bouge plus. Ah merde, il monte et il descend, j'ai l'impression en fait. C'est casse-couille. D'accord, il y a le toutou qui y va. Un groupe de toutous qui y va d'ailleurs. Je suis trop loin, elle pourra pas me toucher. Hop là. Merde, ils sont rapides ces cons là. Attaque! Oula, non, faut qu'on se barre. Où est-ce qu'ils sont? Putain, mais c'est qu'ils font mal ceux-là en plus. Hop. Voilà. Bla. Bon, c'est un échec. Alors en plus on s'est baladé, j'ai même pas pensé à faire de sauvegarde rapide. C'est d'une... Je suis d'une intelligence rare en ce moment sur ce jeu. Ah bah c'est cool, on va peut-être pouvoir avoir la biche par contre. Cette fois je la loupe pas. Quoi? Je vais aller à un autre endroit, j'aurais peut-être pas dû. Aïe. Le chien, protège-moi. Allez. Non, pas le chien. Pauvre chien. Pauvre chien. Pauvre biche. Bon, c'est pas là que je devais aller à la base, hein. Par contre, je sais que je vais clairement y retrouver une... Encore un atelier de chimie qui sert strictement à rien. Plaque chauffante. Putain, mais qu'il est con ce chien, il ouvre les portes. Attendez. Cave. Oula. Je veux aller voir ce qu'il y a dans la cave. C'est génial, on trouve pas du tout le même endroit que tout à l'heure, ce qui fait que ça va nous ponctuer un petit peu l'épisode. Atelier d'armes, pourquoi pas. Radix, en grosse quantité d'ailleurs. Du crame, une lanterne, de l'eau purifiée.
Attends mon chien. Jerrycan d'essence. Ok. Intéressant, il n'y a rien du tout. Tais-toi, foutu radio. Pourquoi je me bouffe des radiations? Ouvrir. Wayne Gorski. What the fuck? Déverrouillé. Allons-y. Ruddy. C'est pas Ruddy. C'est pas... C'est Kame. C'est pas Kame, c'est Much. Non plus. Ok, j'intéresse à me dépêcher parce que le temps d'animation, je me bouffe des dégâts. Shot. C'est pas shot. Fact. C'est pas fact, je suis con. Nail. Putain mais... Ah il est dur celui-là, hein. Quand ça veut pas en plus, hein. Hop. Gear. News. Non plus. Tell. Non plus. Putain. Want. Non. Sell. Non. See. Non plus. Hop, on va retenter. Fit. Ça y est, je l'ai eu. Nom de Dieu. Déclaration d'intention. Si la première et dernière entrée, je considère comme un citoyen libre des États-Unis, ce pays autrefois si formidable, je ne resterai pas les bras croisés dans le gouvernement corrompu. Sache que si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai été tué ou enfermé dans un camp de détention fédéral. La presse n'aura pas manqué, j'en suis sûr. De camoufler la vérité en me traitant d'espion à la solde des communistes. Ne croyez pas ces mensonges que tous les véritables patriotes sachent que ce. Ouais, d'accord, il a pas le temps de finir son truc. Diamond City est maintenant indiqué de façon permanente sur votre carte. Comment ça de façon permanente? Ok, donc j'ai de quoi en fait dans cette zone faire un mini nuke. Par contre ça me saoule. C'est en train de me tuer à petit feu, c'est vraiment en train de me saouler. Hop, alors il va même falloir un radeway. Hop. Sûrement quelques viandes de rataupe. Et des œufs mimosa. Hop. Ok. Ah, maintenant j'ai envie de voir ce qu'il voulait dire par tout le temps affiché. Pas encore découvert, donc je pensais que ça allait me le découvrir en fait. Mais non. Ok. Alors j'aimerais cependant retrouver l'endroit où j'étais tout à l'heure quand même. Pourquoi il y a de la lumière là? Un petit camp, d'accord. Avec personne dedans. Bon, je vais essayer de repasser par là. Ok. Donc là, c'est l'endroit avec l'eyeball. Que j'ai déjà visité. Tout à l'heure, j'avais vu un truc ici. Avec de la lumière. C'est ça. Et là, il y a l'autre campement à la con. Donc, si je peux prendre 7. Ou 6, je sais plus. Je l'ai peut-être pas mis, en fait. Arme. Tête dans le viseur, sniper en devenir, voilà.
le mettre à la place du 8. Je me trompe de bouton. Vas-y, assis-toi. T'es sérieux, il s'est mis... C'est pas possible. Comment il a su? Oui, je sais que tu sais qu'il y a des ennemis. Putain. Ok. Je l'ai eu. Normalement, maintenant, il y a son pote. Haricot. Cabo errant. Désolé. Portez trop de choses sur vous. Oui, bah je me doute bien. Canigou. Attendez. Hop, on échange. Merde, j'ai donné trop de choses, je crois. Je récupère ça. Ça, je peux le laisser, c'est pas grave. Oui, de sauvetage, tiens. Udada tête. What the fuck? Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Et la lanterne. Plaque chauffante aussi, remarque. Voilà. Non, tu me suis. Hop. On va essayer de le refaire, chers amis, quand même, merde! Alors... Ok. 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 Merde. Alors les grenades, normalement, c'est censé être G. Mais non, mais... Hop. Bla. Bon, attendez, j'ai oublié la touche pour les grenades. Parce que je les ai modifiées, normalement, donc bon. Ah si, c'est bon, je l'ai. Hop. Quoi? Mais non, il s'est rien passé. Qu'est-ce qui me fait autant de dégâts d'un seul coup en fait? C'est vraiment ça qui m'intrigue le plus. Qu'est-ce qui me fait autant de dégâts d'un seul coup? Ça peut pas être la tourelle quand même. Ne me vois pas. Ne me vois toujours pas. Hop.
Raté. Ok. Raté. Ok. D'accord, ça va me tuer aussi. Hop, on se repique. En plus, ça touche pas. Blam, et je suis encore mort. C'est d'une violence. C'est d'une violence, chers amis. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, vous allez voir. Plutôt que de mettre des grenades, hop, plutôt que de mettre des cocktails molotov, on va mettre des grenades classiques. Hop, on se met là, sauvegarde rapide. Hop. Hop là. Et il a survécu. On sait pas comment, mais il a survécu. Allez. Mais non, pas la bonne arme. Hop. What? J'ai la moitié de mes points de vie. Qu'est-ce qui fait que je meurs comme ça? Qu'est-ce qui fait que je meurs aussi vite? C'est pas possible. Hop. Là, l'autre tintouin, là. Hop. Il y en a un qui avait un pistolet laser. Alors avant que la tourelle me tire dessus. Hop. Voilà. Fusil de précision. Donc je me trompe pas. Ok. Kenigou, viens là. Hey. On échange. Bon, on a réussi à le faire. T'es là, ça te prie.
Pistolet automatique, je te le donne. Pistolet laser, ça va falloir que je le garde. Mais la capsule, je te la donne. Hop. Harnais des artilleurs. Chemise écossaise et jeans des artilleurs. Hop, lunettes de soleil, je vais les garder tout à l'heure. Hop, voilà. Allez, on y va. Hop. Voilà. Côté là on est plutôt bon. Ok. On est clairement sur un campement. Un artilleur là-bas? Non, 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 non. Effectivement, il y en a un là. C'est le seul que je vois actuellement. Il y en avait plusieurs. Oh, tu veux rire, elle peut pas être aussi précise. Hop. Ah oui, c'est vrai, faut que je recharge. Hop. C'est vraiment un mousquet en fait, faut penser à le recharger à chaque fois. Hop. Ok. Là, raté. Putain, j'ai pas vu mes points de vie descendre à cette vitesse là. C'est d'une violence, je pense qu'en fait mes armures se cassent peut-être. Je sais pas. Bon. Bon, bon, bon. Comment je vais faire? Bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode en fait. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on va retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo, d'être fidèle à la chaîne et d'être toujours aussi sympathique. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens. Hop. Et crac.